Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau décryptage d'actualité sur votre télévision préférée. Nous allons commencer notre page d'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les forces armées de la RDC et la coalition M23 à la DF se disputent la commune rurale de Kanyabayonga et l'armée congolaise se porte très bien sur les lignes des fronts. L'armée loyaliste a lancé des offensives et a récupéré au moins 3 villages qui servaient comme base arrière au M23 pour s'emparer de la cité de Kanyabayonga. Donc après 2 semaines d'intenses combats, cette cité stratégique aux enjeux majeurs que nous allons vous évoquer dans cette émission reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons également parler du sommet extraordinaire de l'EAC auquel le président Félix Tshisekedi n'a pas pris part. Quelles sont les raisons politiques et diplomatiques? Vous aurez tous les détails dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et pour décrypter ces 2 grands sujets d'actualité, je reçois sur ce plateau M. Gaëtan Kombi. Il est analyste et politologue de formation. M. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Jospin. Voilà, ça fait 2 semaines que des combats opposent les FARDC à la coalition 23 à la DF. L'armée tient bon. Les enjeux, c'est que si le 23 prenait le contrôle de Kanyabayonga, ça sera une nouvelle façon d'étendre sa zone d'occupation, déjà que Massisi Rutshuru est occupé dans une grande partie. Prendre Kanyabayonga ouvrirait la voie au M23 vers le territoire de Lubero, pourquoi pas aller vers Beni, jusque dans la province de l'Ituri. Voilà pourquoi l'armée tient bon et jusque là, Kanyabayonga n'est pas encore tombé. Est-ce que vous pensez que cette fois, l'armée va nous prouver cette montée en puissance comme nous l'attendons depuis bien longtemps? Déjà, une bonne nouvelle, c'est que l'armée s'est tournée finalement vers une approche offensive. On savait que le FARDC était un tout petit peu enveilleuse, ne répondant qu'aux attaques de M23, mais on a appris à la grande satisfaction d'ailleurs que l'armée congolaise a appuyé sur les boutons pour mettre hors d'état des murs le M23, qui commençait, dont la progression commençait à inquiéter plus d'un. On nous présentait la cité des Sakés comme une ligne rouge, mais les M23 étaient de plus en plus menaçants vis-à-vis de la ville de Goma. Donc on a appris avec une grande satisfaction l'approche finalement offensive optée par les FARDC. C'est une lueur d'espoir, mais à mon avis, ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait encore une fois plus produire beaucoup d'efforts. Il faudrait que les FARDC ne puissent pas surtout lâcher cette dynamique-là, parce que c'est à travers cette dynamique-là qu'ils arriveront peut-être, qui sait, à conquérir la cité de Bunagana, jusqu'à là occupée par le M23. Voilà, il y avait déjà une avancée du M23, vous l'avez dit, sur l'axe de Sake, Buremana, jusqu'à menacer la cité de Minova au sud Kivu. Comme je le disais, les enjeux géographiques sont aussi majeurs parce qu'il y a le sud Kivu qui était menacé, un nouveau territoire du nord Kivu. Deux d'ailleurs, Walikale est sur le front de Kichanga, Mweso, jusqu'à Pinga. Heureusement, le M23 n'est pas encore à Walikale. Le M23 n'est pas dans le sud Kivu, le M23 où l'armée rwandaise n'est pas encore dans le Lubero. Il faut dire quand même que les FARDC ont réussi à contenir cette avancée sur plusieurs fronts et c'est une dynamique aussi à mettre notamment à l'actif des VDP de Wazalendo qui appuie toujours l'armée congolaise. Justement, on savait que le fait pour les Wazalendo de devenir des supplétifs de l'armée, ça a permis au FARDC, disons à la RDC, de capitaliser ses chances de résister le plus longtemps possible à la progression des M23 qui s'est commencé à devenir de plus en plus inquiétante. Et donc on peut jeter des fleurs à ces volontaires qui ont constaté que les M23 finalement aidés par bien évidemment le Rwanda commençaient à progresser significativement parce qu'il y a eu un temps où les M23 raflaient localité après localité, village après village, mais depuis l'entrée en guerre de Wazalendo, on a compris que c'est devenu véritablement une obstruction
pour les M23. Et donc, oui, avec l'entrée en guerre de Ouazalendo, la guerre a pris une autre tournure. Alors, quand on parle de Ouazalendo, c'est un concept qui désigne les patriotes et c'est une dynamique qui s'est répandue sur presque tout le peuple congolais, surtout dans la partie orientale, caractérisée par une grande résilience. Des bombes sont tombées dans des camps des Mugunga, mais des déplacés tiennent toujours et gardent foi et confiance. La cité des sacs s'est vidée, mais il y a toujours quelques habitants qui s'y rendent parfois pour aller constater si l'armée n'a pas encore avancé. Même chose à Kanyabayonga. Bayonga, il y a toujours des populations. Comment vous qualifiez cette dynamique de la population autour de l'armée? Comment vous qualifiez cette résilience aujourd'hui autour qui caractérise la population dans l'est de la République démocratique du Ben, Congo? connaissant très bien la stratégie des M23, parce que les M23 ne sont pas venus faire une guerre éclair, c'est-à-dire une guerre qui va se terminer dans 2 ou 3 jours, ils sont venus faire une sorte de guerre d'attrition, une guerre d'usure. Ils sont venus pour user, comment dirais-je, les populations congolaises et les gouvernements Une guerre congolais d'occupation également. afin, oui, justement, avec comme finalité amener les gouvernements à la table des négociations. Et on sait tous la logique de la négociation, c'est celui qui est en position de force et qui Qui fait impose, la coupe. Ouais, donc ouais, qui est. voilà, qui impose ses, comment dirais-je, ses C'est. desiderata Ouais. à celui qui est en position de faiblesse. Qui Donc, doit faire des concessions alors? justement, c'est dans cette logique-là que s'inscrit cette guerre d'attrition menée par les M23. Malheureusement, en face du M23, il y a non seulement des résistants Ouazalendo, il y a non seulement la résistance aussi relative des forces armées de la République démocratique du Congo, mais surtout la résilience de la population Parce congolaise. qu'on Ça peut la fait qualifier d'un front populaire aujourd'hui, aux côtés justement, des deux fronts diplomatiques il y a et plusieurs politiques. fronts, parce que ça fait quand même des décennies que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour être plus global, font face à de guerres d'agression menées à partir, disons, commanditées à partir des États voisins, menées par des pantins, par des rébellions qui sont en réalité des envoyés des États voisins. Mais ces populations-là n'ont jamais abandonné leur terre. Ces populations-là font preuve d'une certaine résilience qui s'avère être, comment dirais-je, une cause d'ailleurs de l'échec de toutes ces rébellions-là qui se sont enchaînées dans la partie est Un de la tonus République pour démocratique l'armée du Congo. qui se bat sur la ligne de front. En effet, c'est un tonus pour l'armée, parce que une armée qui est sur la ligne des fronts, lorsqu'elle constate qu'il y a quand même une certaine résilience démontrée par la population, lorsqu'elle constate que la population est finalement en appui en termes de mental, de morale, forcément cette armée-là aura beaucoup plus de ressources pour aller mener une guerre d'agression. Et moi, c'est là que j'inscris en quelque sorte la dimension résilience de la population congolaise, qui permet aujourd'hui aux pans du territoire congolais qui sont régulièrement envahis par les troupes étrangères de rester toujours consolidés par le pays. Est-ce qu'on peut se parler d'un ras-le-bol peut-être aujourd'hui au sein de la population? Parce que ça va faire 3 ans que l'armée rwandaise sous la belle du M23 contrôle Bunagana, Rutshuru, Kichanga. Et quand vous vous rendez dans un des camps seulement déplacés, j'étais avant-hier à Lushagala, j'ai vu des millions de populations, une marée humaine, je me suis senti moi-même asphyxié. Je me demande comment ces populations font pour vivre dans de telles conditions. Ce sont des conditions tragiques, dramatiques, on ne peut même pas avoir des noms pour qualifier la situation que traversent nos compatriotes dans des camps déplacés. En tout cas, c'est une situation très très compliquée. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi un ras-le-bol par rapport à toute cette misère aujourd'hui? L'opinion est divisée, il y a un ras-le-bol forcément, parce que lorsque vous voyez les réfugiés, les nombres de réfugiés qui se meurent dans des camps de déplacés, vous dites que oui, forcément, il doit y avoir un ras-le-bol qui se développera. Mais encore une fois, je reviens sur cette magie de la résilience de la population congolaise. Parce qu'une population, notamment celle de l'Est, qui a connu tant de guerres, qui a connu tant de catastrophes, à un certain moment, on s'est dit que cette population-là doit lâcher, doit forcément lâcher. Mais c'est cette magie-là de résilience qui me surprend et qui me dit que finalement, ceux qui développent la thèse selon laquelle la RDC sera indivisible ont peut-être raison. Ont Évidemment. peut-être raison, parce qu'il faut aussi revenir sur
la motivation d'un M23, c'est aussi amener cette population à cette forme de ras-le-bol, afin que cette population puisse dire, bon, C'est retourner contre finalement, les autorités et justement, tout. c'est retourner contre ces autorités, finalement, Évidemment. c'est dire pourquoi ne pas leur concéder un tel ou tel autre territoire, pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils sont en train de demander. Mais cette population-là, malgré tout ce qu'elle endure, elle continue quand même à soutenir son armée, elle continue à croire à la récupération de tous ces territoires occupés illégalement par les M23. Et donc, c'est là que ça devient de plus en plus compliqué pour les M23, qui, à mon avis, est aussi surpris de la résilience dont font preuve les populations congolaises. Avant de prendre le point diplomatique avec cette actualité déjà annoncée en début de cette émission, nous allons revenir sur cette guerre asymétrique dont on a toujours parlé, avec aujourd'hui la menace qui se répand sur plusieurs fronts. Vous avez parlé également de l'Ituri, du Sud Kivu dans le haut et plateau, dans le haut et moyen plateau bien sûr. De ce côté-là aussi, il y a toujours cette menace dans le territoire de Beni. C'est l'ADF qui a tué encore au moins 13 civils jeudi. Avec cette dimension asymétrique qui prend déjà la guerre dans la République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que le front diplomatique doit être redémarré aujourd'hui pour trouver des solutions à long terme? En effet, on ne peut pas mener une guerre sans être aussi sur le front diplomatique, parce qu'une guerre se mène sur plusieurs dimensions, surtout que vous venez de bien le souligner que c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre qui est menée à partir du Congo, mais par des pays voisins. Il faut nommer les choses. Donc il y Évidemment. a l'implication du Rwanda et de l'Ouganda, notamment, et dernièrement dans la rhétorique, on a compris que aussi les Kenya pourraient tirer les avantages de cette guerre. Donc c'est une guerre menée à partir du territoire congolais, mais par des pays voisins. Donc le front diplomatique devient, si vous voulez, très intéressant dans ces sens-là, parce que il faudrait, non seulement la diplomatie vise à s'attirer beaucoup d'alliés, et on voit que la RDC a réussi quand même à convaincre certains pays qui, au départ, n'étaient peut-être pas concernés par cette guerre, notamment l'Afrique du Sud qui a envoyé ses troupes, notamment tous les États qui ont envoyé des troupes au Dans le cas niveau de la dans le SADC, cadre de la de la SADC. Donc, si SADC, vous voulez, c'est une victoire relative, parce qu'il faut encore beaucoup d'efforts. Donc je trouve que le front diplomatique, oui, peut s'avérer être d'une importance capitale, mais je reste convaincu que pour qu'un État puisse en finir avec les agressions, avec les multiples agressions, pour qu'un État puisse garantir forcément pleinement sa pacification, il faudrait qu'elle ait une armée suffisamment effrayante et une politique prospère, ce qui manque aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Alors, une politique aussi dissuasive sur le terrain avec les forces de la République démocratique du Congo. Nous allons directement aborder le deuxième sujet avant de terminer. Le président Félix Tshisekedi n'a pas pris part au sommet extraordinaire organisé par Salva Kiir, le président sud-soudanais, par visioconférence. Selon nos indiscrétions, cela est dû aux propos ou au positionnement politique du Kenya avec le président William Ruto, qui pense que le problème du M23 est interne à la République démocratique du Congo. Est-ce que le président Tshisekedi voudrait exprimer tout simplement son insatisfaction par rapport à cette question, ou c'est une façon encore de mettre pression sur le plan régional comme il avait fait avec la force de l'EAC qui n'avait plus raison de rester sur le sol congolais. Cher Jospin, il y a un auteur français, dont je vous recommande d'ailleurs l'un des livres, qui disait que nos dirigeants d'aujourd'hui font plus semblant de diriger que de diriger à proprement parler. Donc on comprend que cette décision de ne pas participer au sommet de l'EAC prise par Félix Tshisekedi était une forme de. C'est une décision purement politique pour montrer à la population que la RDC réagit par rapport aux propos tenus par le président kényan. Encore que cette décision, à mon avis, est non seulement, comment C'est dirais-je, pas une non réponse seulement, non, oui, disproportionnelle. justement, j'allais arriver là-bas, c'est pas une réponse proportionnée à l'attaque, parce que l'attaque vient d'un dirigeant d'un des pays de l'EAC, l'attaque ne vient pas de l'EAC, donc Mais il faudrait une réponse bilatérale il fallait que peut-être. la réaction soit bilatérale, Évidemment. dirigée vers les Vers le Kenyans, Kenya. mais aussi
C'est une réaction qui, à mon avis, ne produira pas d'effet politique majeur. Pour encore une fois prouver au peuple congolais que les présidents est en train de diriger, il fallait que le président puisse faire un brin de réaction par rapport aux propos tenus dernièrement par le président kényan, qui, on William le rappelle, Ruto. a quand même tenu des propos qui vont dans la même rhétorique que Paul Kagame. Et moi, je pense que c'est à partir de là que le gouvernement congolais ne pouvait pas accepter. Donc le président de la République a fait ces brins de réaction-là pour montrer à la face du monde qu'il n'est pas d'accord. Alors, afin de trouver des désescalades politiques dans la sous-région, quel sera l'avenir de relations déjà bilatérales entre la RDC et le Kenya, mais aussi multilatérales entre les pays de la sous-région, notamment la RDC, le Kenya, le Burundi et la Tanzanie, si nous savons que Paul Kagame est resté figé sur sa position de refuser qu'il soutenait le M23 et que le président Félix Tshisekedi aussi restait, en tout cas, catégorique, qui ne dialoguera pas, qui ne sera pas avec le M23 parce que ça, il doit plutôt parler avec Paul Kagame. Qui des deux pourra faire des concessions et comment sera l'issue sur le plan politique si on voulait aussi trouver des solutions politiques? Sinon, ça va se terminer sur les lignes de front. Justement, c'est là que la dimension de l'EAC devient de plus en plus importante, parce que l'EAC, c'est, pour moi, ça reste une boîte de Pandore. C'est une structure qui contient à son sein les germes de sa propre destruction, parce que c'est une structure qui rassemble les États qui sont par nature ennemis. On peut parler du Burundi et du Rwanda, par exemple, qui se regardent en chaîne de faïence depuis maintenant des décennies. La RDC Et le Rwanda et le aussi. Rwanda, la RDC et l'Ouganda, la RDC maintenant avec le Le Kenya, Kenya, ouais. ce sont des conflits internes. La Tanzanie qui ne sait pas aussi vraiment cohabiter Avec le Rwanda. avec le Rwanda. Donc, si vous voulez, c'est une structure de forme, de fait, qui ne peut pas véritablement régler ce genre de problème. C'est aussi une structure qui a à son sein les pays même qui forment ces petits clubs-là des agresseurs de la République démocratique du Congo. Donc, voir, lorsque j'ai appris que Félix Tshisekedi avait opté pour l'adhésion de la RDC dans cette EAC-là, j'étais tombé de ma chaise, parce que c'était irrationnel. Aujourd'hui, Il a vite compris, il a il vite commence compris à avec le le retrait de la comprendre. force de l'EAC. Justement, aujourd'hui, il commence à le comprendre, et ces retraits-là s'inscrivent dans le cadre de ce qui pourrait être le retrait définitif de la RDC de cette EAC. Malheureusement, l'EAC ne prévoit pas des dispositions de retrait, c'est-à-dire une dénonciation faite par un État qui voudrait se retirer. Donc, par ce fait, le retrait de la RDC sera plutôt facile que prévu. Donc, il n'y aura pas beaucoup de juridisme pour que la RDC puisse se retirer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne sait pas prendre la décision qui tourne dans sa tête. Et cette décision, c'est de retirer la RDC dans cette boîte de Pandore qu'elle est assez. Il s'est trompé, et malheureusement, comme tout politique, il ne voudrait pas le reconnaître. Alors, nous allons terminer par les attentes par rapport au nouveau gouvernement, surtout les collaborateurs de Félix Tshisekedi dans cette diplomatie. Hier, c'était Moussa Nyamwisi, Christophe Lutundu là, et Bemba qui formaient ce tandem pour accompagner Félix Tshisekedi dans les négociations sous-régionales. Aujourd'hui, il y a des nouvelles têtes. Est-ce que la rhétorique va rester la même? Le positionnement va rester le même? Ou on peut attendre des changements stratégiques? Le gouvernement, si vous voulez, la philosophie, la fameuse vision du chef de l'État demeure toujours. Et c'est sur base de cette vision-là que vont La vision, c'est plus grand. Il faut parler du justement. positionnement. Voilà Pas pourquoi de il négociation avec n'y a pas d'instrument, le il n'y a M23. pas d'instrument de mesure d'une vision politique. Ouais, c'est Mais c'est ça. sur base de cette Position radicale, de ne pas. de la position, Ouais. la vision du chef de l'État, que tous les gouvernements aujourd'hui est en train de s'inscrire dans le cadre de cette vision du chef de l'État, encore qu'on ne sait pas déterminer réellement la vision du chef de l'État. Donc, la vision reste la même, si vous voulez, parce que tous les ministres qui ont été nommés ont promis de marcher selon la vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, la vision du chef de l'État reste la même, c'est-à-dire qu'on s'attaque au Rwanda, parce qu'on sait que c'est le Rwanda
qui est le problème, pas les M23. C'est ça. La rhétorique restait la même. On attaque sur les fronts diplomatiques les Rwandais, on indexe les Rwandais, on impute au Rwanda tous les, voilà, tous les désordres du M23. Et donc, les ministres, disons, si vous voulez, la ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, a promis qu'elle continuera dans la lignée de ce qu'est faisait Christophe Lutundula. L'actuel ministre de Défense, qui se veut beaucoup plus belliqueux que Jean-Pierre Bemba, de manière surprenante d'ailleurs, a aussi promis d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision. Donc la vision des chefs de l'État reste Au la niveau même. de l'intégration régionale aussi, il n'y aura pas de C'est la même pourparlers, de chose. C'est la même Nairobi, chose. je ne Ça, sais pas, tout, le la gouvernement feuille de route de marchera. Luanda. Le gouvernement marchera selon la vision du chef de l'État. Et tous, aujourd'hui, on sait la vision du chef de l'État par rapport à cette guerre. On connaît sa prise de position. Et sa prise de position, elle est claire. C'est-à-dire qu'il faudrait indexer les Rwandais partout sur la scène internationale. Il faudrait montrer à la scène internationale que c'est le Rwanda qui est le malheur du Congo. Et donc, moi, je pense que la rhétorique ne va pas changer. Ça va rester la Merci même. beaucoup à vous, monsieur Gaëtan Kombi. Je vais vous faire juste un petit rappel par rapport à cette vision dont nous parlons. Le président Félix Tshisekedi a refusé catégoriquement de négocier avec le M23 parce qu'il considère qu'il doit avoir en face de lui le président Paul Kagame, lui qui est l'instigateur de cette menace. Et c'est dans cette logique-là que Jean-Pierre Bemba, Lutundula a marché. Et aujourd'hui, voilà, ça va rester la même chose. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour ce nouveau numéro de la page d'actualité. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informez, c'est notre devoir.